une minute d'applaudissements en hommage aux victimes de la fusillade du marché de Noël de Strasbourg. Sur le balcon de la mairie, le drapeau est en berne. Dimanche, la mairie de Souffelweyersheim a décidé de maintenir Noël au village. Un seul mot d'ordre, ne jamais céder. On doit continuer à avancer, on doit vivre et se lever tous les matins, on travaille, on vit, on s'amuse et on va continuer. On a fait ce qu'il fallait pour continuer à faire ce Noël au village à l'extérieur, avec la population. Et aujourd'hui, c'est un grand moment de partage, de convivialité, de bienveillance. Et puis c'est l'esprit de Noël ici, ouais. Un esprit que les gens rassemblés devant la mairie véhiculent chaque année. Faut pas trop se poser de questions, faut justement n'y pas y penser, franchement, même si ça reste en tête tout le temps, et on en parlait encore juste avant, ça marque. On y pense forcément, mais c'est la période de Noël, on est entre amis, avec les amis, les familles, on essaie quand même de profiter. Au pied de la mairie décorée, les chalets sont tenus par des associations du village. Bon appétit. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Et il y a plein de bonnes choses à déguster. Il y a des bredelles, des crêpes, du vin chaud, de la tarte flambée, des knacks, des marrons chauds, des huîtres. Enfin voilà, il y en a pour tous les goûts. Merci. Tous les sous récoltés vont permettre de soutenir deux nouvelles associations en 2019. La première, des Lumières dans les yeux. C'est une association qui a été créée par un jeune papa qui a eu la bonne idée de réparer des flippers qu'il veut mettre dans des hôpitaux. C'est des flippers qui sont mis à disposition du personnel, de la famille et des malades. La seconde association, les Séquaniels, à Yetterswiller. C'est un centre équestre qui a une section d'équitation pour personnes handicapées, moteurs ou mentales. L'objectif est de participer à la rénovation du manège. Noël au village, c'est aussi la traditionnelle crèche vivante, mais aussi la photo avec le Père Noël. Et cette année, on a eu droit à un reste de neige matinale. Vous voulez soutenir les associations? Vous avez encore jusqu'au 13 janvier pour apporter vos dons en mairie. En attendant, joyeux Noël à tous.